merde va pas nous tomber dessus? Espèce d'enfoiré! Tu vas payer pour ça. C'est en fou! Le voleur!
c'est juste là. Trop la fumée. Près de ce pilier.
aérodrome. Dégagez sur sa grouille de montre. Croyez avoir demandé de faire le ménage et de récupérer tout ce qui pouvait nous servir. Sur tous les flingues, comment se fait-il qu'on perde tout le bon matériel? Les gars se foutent sur la gueule pour mettre la main dessus. Ils n'ont pas l'air de comprendre pourquoi. Le responsable, manque de main-d'œuvre. Trop de responsabilité, pourquoi? Pire, c'est si puissant à la hauteur. Je veux des résultats. Autrement, je pourrais prendre ça comme un affront. Repos tout le monde. Le baron a parlé. S'en sort l'équipage sans eau. Pendant ton absence, j'ai fait un peu d'exploration. La Pegule, beaucoup de monde vivait dans ces grottes. C'était une vraie ville, mais quand les geysers ont explosé, ils ont tous dissensé. Comme tu t'en doutes, on se dirige vers la source par la porte derrière. Allons-y! On doit être tous morts maintenant. On va grimper un peu plus haut pour mieux voir. La grotte ne mène nulle part. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Shaitan! Saleté de bestiole! Ouais, cet endroit est dévasté. Au début, j'avais l'espoir de trouver quelque chose sur mon peuple, voire ma famille, mais... Maintenant, je sais.
Et ça fait mal. Doucement, doucement. Ah ah ! Il est devant l'entrée. Prépare-toi, Artyom. Charge la lampe, vérifie les filtres et ton équipement. J'ai ce sentiment... C'est un peu perturbant. Ah, au diable les sentiments. Allez, on se dépêche un peu. On les a tous eus. Allez, on continue. Le passage vers la source. On y va!
essayons d'y aller en douceur. Sans effusion de sang. Les esclaves sont innocents. Au moins, ils ont eu ce qu'ils méritaient.
Restez tranquille. Mais les noms qu'aiment Kennedy. Ils vont nulle part. Ils vont devenir les esclaves maintenant. Où est-ce qu'ils vont aller? Ouais, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Je sais pas vraiment ce que j'espérais en quittant Moscou. Où qu'on aille, c'est la même merde partout. La guerre est partout pareille et cet endroit n'échappe pas à la règle. Dynastique, Maganil, Menkaïda Bari Pilemin. Merci, Bethanis. Ça ressemble au camp des fachos à Moscou, tu trouves pas? Enfoiré. Ça y est, on les a enfin semés. Oh, c'est dommage pour les esclaves. Ils n'y étaient pour rien. Ils ont pas l'air de nous prendre en chasse. Fatigué ? Reste-toi un peu, mon frère. J'ai entendu les coups de feu.
charge. Mordu la poussière, hein? Oui, c'est vrai. Le problème, c'est que toute leur armée est partie faire du pillage. Ça, c'était juste le comité d'accueil du baron. Combien ils sont en tout? 700, je pense. Wow. Ouais, on a eu du bol. Et je pense qu'on ne devrait pas abuser de leur hospitalité. On n'ira pas bien loin en brûlant des bradis. 5 bornes, grand max. Ces chiens ont du carburant. Beaucoup. Toute une citerne sur les rails. Si on ouvre la porte discrètement, on peut la voler. Il doit pas y avoir beaucoup de gardes en ce moment. Vous pouvez guider nos hommes? Oui. Alors on se met au boulot. Yermak, Crest, vous préparez l'Aurora. Finissez de remplir la chaudière d'eau et vidangez le réservoir des voitures. Artyom, Damir, je vous confie le plus gros morceau. Volez cette citerne. Oui, chef. Bonne chance, jeunes gens. Anna, Lidio, Tokarev, on lève le camp. N'oublie pas de bien vérifier ton équipement avant de partir. Il est peut-être encore temps de négocier avec eux. J'ai déjà essayé, c'est peine perdue. Son moyen de paiement, c'est les femmes. Artyom, on s'apprête à lever le camp, mais j'arrête pas de penser aux esclaves que les bandits détenaient dans l'épave du bateau. Tu te rends compte? Sans ton aide, ils seraient restés enfermés là-dedans toute leur vie. Merci d'être... toi. J'en ai marre de cette poussière. Vivement qu'on se tire d'ici. Et ne prends pas de risques inutiles. C'est un mari vivant qu'il me faut, pas un héros mort. Bye.
Artyom, on a inspecté les environs. La porte principale est gardée par une équipe réduite. Tu peux pas entrer par la porte. Il faut passer par la prison au sous-sol où les Moonai Bailer enferment les esclaves. Ouais, bref, voilà le plan. Yul et moi, on va essayer d'éliminer leurs gardes discrètement et d'entrer par la porte. Si ça tourne mal, au moins, on détournera leur attention. Pendant que tu entreras par le sous-sol. Allons-y, on va t'accompagner. Reste pas à la traîne. J'ai une faveur pour toi. Si possible, tue pas les esclaves. Ils sont pas... Ils obéissent juste aux Moonai Bailer, aux barons. Ils ont peur, c'est tout. Stop. Par ici. C'est juste des gosses à qui on a fait subir un lavage de cerveau. On devrait faire preuve de clémence envers eux. Par cette grille? Bien, allons-y. Bon, je vais la soulever pour que tu entres. Allez, cette merde est lourde!
touche là, c'est parfait. Rien. Ici, ici, je le vois. Il est mort. Pourquoi ça s'est pas... Il est ici maintenant. La flamme sacrée me le dit. J'ai une bonne nouvelle. Regarde, pile ce qu'il nous fallait. J'ai aussi une mauvaise nouvelle. La porte est verrouillée et on ne peut rien faire. Colonel, ici Damir. On a sécurisé la citerne, mais on a un petit problème avec la porte.
pensez tout de même pas attaquer ma forteresse. J'admire votre courage, mais c'est du gâchis de risquer vos vies de la sorte. Lequel de vous deux commande? Monte me voir, faut qu'on discute. Écoute un peu cet enfoiré. Il passe de face. Il sent que toute son organisation va tomber à cause de nous. Baisse ton arme et monte. Autrement, ça pourrait tourner au massacre pour rien. Ouvrez la porte et laissez entrer notre invité. Monte, on te fera rien, à moins que tu le demandes. J'aime pas ça, mais c'est la seule solution. Faut pas le compte ce désert, on va crever. Bonne chance, Artyom. Si jamais ça dégénère, je... Si j'entends encore un mot sur cette salope de Bioul. Bordel, c'est impossible de tous les compter. Laisse Siraclure tranquille et monte à l'étage. Esclaves, même des femmes. Le boss supporte pas le retour. Éloigne-toi d'eux, putain. Un appartement de luxe, plutôt. Pour que les autres esclaves deviennent guerriers et se battent pour la place sacrée. Pourquoi ça prend autant de temps? Tu pourrais le faire les yeux fermés, je sais! Ha! Tu dois faire partie de ce bordel! Regarde-moi cette merveille que tu prépares pour le bordel! Putain, t'as juste à la tirer! Remue-toi, bordel! Désolé, maître! J'ai pas fait ça! J'ai pas fait hier! La ferme! Je dois travailler bien pour rentrer en messe que je suis. Allez! Qu'est-ce qui prend autant de temps? Je veux me battre sans avoir une gloire mère. Elle a mérité une bonne leçon. Pardonne-moi, oui, Mirza. T'es une merde! Boucle-la! Une sous-merde! Vas-y, monte en haut de l'échelle. C'est le troisième patron. Il est venu lécher les bottes du patron. Qu'est-ce que t'attends? Viens me retrouver après ta discussion avec le bar. C'est toi qui dois voir le boss? Entre. Ne fais pas attendre le chef! Vois-tu, nous vivons dans un monde impitoyable et chaotique. Je fais seulement de mon mieux pour y instaurer un minimum d'ordre. Sans ordre, il est impossible d'espérer un avenir meilleur, et on sait bien que l'espoir fait vivre. –
Mais venons-en au fait. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour admirer le paysage. Donc, vous devez avoir un but. Et ce but est probablement loin d'ici. Je respecte les gens qui ont un but dans la vie. Et je suis prêt à vous fournir le carburant pour votre voyage. Je ne demande pas grand-chose en échange. Il va falloir que tu me livres Gyul. Amène-la-moi, et tout le monde sera gagnant. J'aurai Gyul, et vous aurez votre carburant. Et on mènera tous une vie longue et prospère. Alors, qu'est-ce que... Tu vas payer pour tout ce que t'as fait! Pourquoi il a arrêté de parler ? Artyom, je vais entrer avant que ce chien ne prenne la fuite. Je l'attrape et je t'ouvre la porte. Bouge pas. Où tu vas, sale enfoiré ? Cette balle est pour toi ! Thank you.
les gueules. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Foutez le camp! J'envoie des renforts couvrir votre fils. La porte va lâcher. Encore un effort, Artyom. Allez, Artyom! Ton nouveau monde m'installe. Avec eux. Jamais de la vie. Ta pitoyable tentative. Ça, tiens, occupe-toi du baron. C'est le plus fort. J'y suis. Artyom, je suis dans le passage. Donner espoir à mon peuple. Jamais j'oublierai. Mais cette guerre ne fait que commencer pour moi. Et il faut que j'aille jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire. Artyom, ton rêve nous a menés ici, mais ça n'aidera pas mon peuple. Cette guerre est aussi la mienne maintenant. Va, Artyom. Poursuis ton rêve. Tu es revenu, mon amour. J'étais si inquiète. Des fanatiques au bord de la Volga, des cannibales dans le bunker de la montagne, des esclavagistes sur les rives de la mer asséchée. La guerre a engendré bien des monstres. À moins qu'ils aient toujours été là, et que la guerre leur ait seulement donné l'occasion de se montrer, et que nous ne puissions plus jamais nous en débarrasser. Est-ce que Damir, qui est resté dans le désert pour aider Gyul à libérer leur peuple, va arriver à vaincre un autre monstre, l'inertie mentale? Celui-là même qui maintenait ces gens dans une servitude volontaire sous le joug des tyrans? Honnêtement, j'en doute. Ce monstre-là pourrait bien être plus puissant que tous les autres. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas perdre espoir. Chaque jour nous rapproche de notre rêve. Trouver un endroit où vivre, sans radiation ni mutants. Les cartes que nous avons trouvées dans le désert nous ont offert plusieurs options prometteuses, et tout l'équipage attend avec impatience que le colonel choisisse la prochaine destination de l'Aurora. Pour l'instant, le train roule tranquillement vers l'est, l'équipage se repose, et Stepan a demandé Katia en mariage. Une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. We'll be right back.
sable. Je tousse encore. Mais qu'est-ce que Crest fume au juste? Oh, c'est atroce. Enfin, je me sens mieux maintenant. Désolé de vous déranger tous les deux. Et vous devriez venir au laboratoire. Ça va bientôt terminer. Merci, Stéphane. On arrive dans une minute. Tu veux y aller, Artyom? Ou on reste encore un petit peu? On est si bien. Tu sais, Artyom, je pensais à Stéphane et Katia, et à toi et moi. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance. Alors que pour mes parents, c'était affreux. Je t'ai déjà expliqué pourquoi ma mère est morte? Bien sûr que non, je t'en ai jamais parlé. C'était à cause de mon père. Il était encore plus dur à l'époque. Quand il rentrait à la maison, il tendait la main vers la bouteille avant même d'avoir retiré ses bottes. Il s'engueulait et il ne se montrait plus pendant un moment. Et quand il était parti, elle se mettait à boire aussi, et à pleurer quand elle était sobre. Ivre, elle se sentait mieux, elle rêvassait un peu. Vas-y, Artyom. Je vais me reposer encore un peu, je vous rejoins plus tard. Eh ben ça alors! Tout est parfait, Artyom. Suis-nous. Qu'est-ce que j'ai raté? T'aurais dû les voir danser. T'en fais pas. T'auras d'autres occasions. Votre attention à tous, je vous prie. 6 mois sur la route et 4000 km derrière nous. On a traversé beaucoup d'épreuves. Duke, Damir. Très bien, tout le monde. Je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Après une étude attentive des cartes satellites que nous avons trouvées et de longues délibérations, nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel. Il s'agit d'une vallée fluviale
il y a une forêt et une centrale hydroélectrique. Ouais. Et c'est assez éloigné des zones les plus densément peuplées, ce qui, comme notre voyage nous l'a appris, est essentiel. C'est à environ 2 jours de route d'ici. Alors, félicitations à tout le monde. Ouais. Ouais. Cependant, un autre point essentiel est à l'ordre du jour. Stéphane, Katia. Oh, des alliances. Stéphane, Katia, répétez après moi. Je te prends, Stéphane. Je te prends, Katia, pour épouse. Et promets de te soutenir à partir de ce jour. Et promets pour de le te meilleur soutenir à partir de ce jour. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la richesse, dans la pauvreté. Dans la santé et dans, dans la maladie. Santé et la maladie. De t'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. En tant que capitaine de ce vaisseau, je vous déclare mari et femme. Que votre vie soit longue et heureuse. Bon, et... Gorgo! 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 Désolé de ne vous avoir rien dit. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie? Ayamantaou, quand il m'a emmené, l'affreux docteur a dit que mes poumons étaient fichus à cause du gaz dans le dépôt de munitions. J'en ai plus pour longtemps. Mais comment tu as pu croire ce monstre? On vient de traverser un désert et les tempêtes de sable. C'est sûrement à cause de ça. Katia, Artyom, venez par là. Va bien, Artyom. Vas-y. Je me sens mieux. Je sais pas trop ce que ça va donner. Le vieux est furieux. Ouais. Artyom est bon pour un sacré savon. C'est pas sa faute. Je suis tombée toute seule dans cette saleté de bunker. Et si mon père ose le lui reprocher, il va voir de quel bois je me chauffe. Oui. En tout cas, Katia va calmer le colonel. Tu devrais pas t'en faire non plus, Anna. Elle va te remettre sur pied en un rien de temps. Elle est douée. Je m'inquiète pas pour ça. On a vraiment touché le gros lot avec elle. Surtout toi, Stéphane. Aucun doute là-dessus. Merci, Anna.
Artyom, tu devrais aller sur le pont, le colonel t'attend. Tu nous raconteras plus tard. Artyom, tu devrais pas faire attendre ton... Alors, fiston, tu peux me dire ce qu'on va faire colonel, maintenant? Colonel, du calme. Ne paniquons pas et tâchons de réfléchir. Bon, Katia, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégénéré. Le passage de l'humidité du métro à la chaleur sèche du désert est éprouvant pour les poumons. Ouais, je crois qu'elle aurait beaucoup souffert dès le début, si ça avait été le cas. Il me semble aussi. Bien, je vais commencer par l'examiner du mieux possible. Et puis, on n'est plus très loin de la vallée et de son air pur. Ça pourrait suffire à la soigner. Excusez-moi d'être indiscret, mais il y a un problème. Anna, j'ai du sang. Mon Dieu, tu crois vraiment que c'est à cause du sable? Ça ressemble plutôt à la tuberculose, selon moi. La tuberculose, on peut gérer. On a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace. Mais si... Et si ce dégénéré avait raison, Katia? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un remède? Il y avait une batterie anti-aérienne dans le truc. Juste avant la guerre, ils ont reçu un médicament. Il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou empoisonnés. Je vais chercher son nom dans les archives. Je crois qu'il est fabriqué à l'heure. Ah, le voici Biesque. Yermak, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est pour Anna, n'hésiterai pas à aller au bout du monde. Quant à Novosibirsk, ça fait dans les deux mille morts. Alors c'est décidé. On part pour la vallée. Si elle nous convient, on s'y installe. Si l'état d'Anna empire, j'emmènerai une équipe de volontaires en quête du médicament. Alors Katia, je t'en supplie. Trouve-nous ce mot. Je le trouverai. Une dernière chose, Artyom. Je ne veux avoir aucune surprise dans cette vie. Tu es notre éclaireur le plus chevronné. Prends la Dresing, emmène un volontaire et va examiner la zone avant notre arrivée. Pour le moment, retournons dire à Anna et aux autres de se calmer. Oh, maintenant, je comprends mieux pourquoi elle avait l'air déprimée à ressasser cette histoire ici. Je n'ai jamais été très croyant. Mais en ce moment, je prie tous les dieux. Pitié, veillez sur Anna. Et faites que la vallée puisse la guérir de sa maladie. En attendant, Alyosha et moi sommes partis en mission de reconnaissance. On ignore ce qui nous attend, mais Alyosha semble persuadé que tout un tas de femmes attendent son arrivée avec impatience. Si c'est bien le cas, je ne pouvais pas rêver meilleur compagnon pour cette mission. Ravi de l'entendre. Continuez comme ça. On aura terminé. Bon, voilà le plan.
On rejoint ce barrage. On l'examine vite fait, et on les recontacte. Regarde un peu comme c'est beau. Dommage qu'ils aient pas pu voir ça plus tôt. Bon sang, regarde-moi cette église. C'est lourd. Merde. Respire. Cache-toi. Je vais vérifier la berge dans la vallée des rapides. Y a rien ici. J'arrive. Bien. Nos hommes ont capturé ton ami. Mais je sais que vous n'êtes pas des bandits. Je vais t'aider, à condition que tu ne fasses pas l'idiot. Je dois y aller. Reste discret et tout passera bien. Thank you.
Ces cons ont trop serré mes liens. Je sens plus mes bras. Je te dois une fière chandelle. Je l'oublierai jamais, je te jure. Ces bâtards de la forêt. Je vais me faire déchirer par ces connards de loups. Là, on bouge plus. C'est le territoire des frères de la côte. Un pas de plus et tu subiras notre châtiment. Oui, là. Un pas de plus et tu mourras. Ouais, alors ouste, marin d'eau douce. Tu veux pas marcher sur la planche. En
un seul vagabond, c'était déjà trop pour aujourd'hui. Ça fait déjà 2 mois. Personne n'est venu chercher les gamins. Billy, Chao, ils sont pas venus. Les employés du barrage ont dit qu'ils en avaient envie. Mais j'aurais dû user de mon autorité pour les en empêcher. Et à l'époque, j'avais encore espoir qu'on nous ait vaincus. Je me faisais des illusions. Je m'en rends compte maintenant. Quand il n'y a que de la friture sur la ligne. Écoute, ça fait un moment que je voulais te le demander. Toutes ces histoires de pirates, des cadavres au poteau. Vous croyez vraiment que c'est ce que voulait le professeur ? Le professeur voulait qu'on... Thank you.
Meurs, intrus! Il lance des boîtes! C'est...
bien. On coupe la corde et on l'emmène au campement avec le premier. Hé, une minute. Vous en avez déjà un, les pionniers. Lui, c'est notre prise. Il a été capturé sur notre territoire. Hein? Le filet est à moi. Alors va te faire voir. Qu'est-ce que ton piège foutait sur notre territoire, alors? En plus, t'as déjà le sac à dos d'un intrus. J'ai plongé pour avoir ce sac. Et toi, tu t'es moi, dégonflé. Moi, je me suis dégonflé. Vous êtes des pirates. Vous avez plus de bateaux. Quant à celui-là, il va passer devant le tribunal de la vous forêt. Vous êtes que des lâches. C'est un intrus, un ennemi. T'es un bandit ou quoi? T'as oublié ce qu'a dit le professeur? Il a dit qu'on devait agir différemment. Tu te souviens? Tu prendrais pas un peu la grosse tête? Le professeur a d'abord dit qu'il fallait qu'on se défende. Tout le reste est venu plus tard. T'as oublié ce que les intrus viennent faire ici? C'est un intrus aussi, alors il doit mourir. Sinon, il va en amener d'autres. Ça suffit! Le tribunal de la forêt est prioritaire. C'est lui qui décidera si on tue ou pas. Tu t'en es sorti, fumier. Il faut être doué pour échapper au maître de la forêt. Ça veut dire que t'es dangereux. Bordel, saloperie de sac à dos. J'en voulais trop. J'ai été cupide. Comment vous avez pu ne pas voir le maître? Il peut se déplacer en silence. Oui. Très bien. C'est l'intrus! Il est ici, les gars! Les gars! Faut que je recharge! Ici,
Ou vous mourrez tous. Cet intrus n'est pas un bandit, il ne tue pas les gens sans défense. Thank you.
Ils ont eu un deuxième. Tire pas. Oscar, je me rends.